Yo les amis, on se retrouve enfin pour la première épreuve du championnat. Ça se passe à Bouillard-Artois, c'est là où on s'est quitté l'an dernier pour la finale. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai fait des bons résultats, mais bon, au final, il y a eu du spectacle encore. Une petite figure de style, donc vous verrez ça en vidéo. On se retrouvera le 10 avril à Arleux, ça sera la deuxième épreuve du championnat. Donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Bisous les copains, bon visionnage. Et avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que la vidéo était sponsorisée par MXR. Plus d'infos en fin de vidéo. Et avant que je vous montre ce qui s'est passé durant mes manches, je voulais vous parler de 2-3 petites choses qui s'est passé durant la journée. Donc en attendant, je vous propose quelques images pour pas que ce soit trop tendu, trop ennuyant. Donc déjà, on était très nombreux dans ma catégorie. Donc en MX2, on était trois séries d'environ 35 pilotes. Et donc, comme il y avait 3 séries, donc le nombre de pilotes pour se qualifier a été réduit. Donc il fallait faire minimum 12 ou 13, je ne sais plus trop. En manche pour partir du coup en finale MX2 pour se qualifier. Donc là ils ont décidé de faire une troisième série et dans la série c'était uniquement donc des 125. Donc je roulais du coup dans cette série, donc j'étais pas avec les autres pilotes. Et aussi également malheureusement si je puis dire, vous ne verrez pas la première manche. Nul. Alors en fait je vous explique pourquoi. J'avais mis la GoPro, donc encore une fois, à la mentonnière. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais acheté un support qui était tombé. Enfin bref, si vous avez regardé, vous savez de quoi je parle. J'avais racheté un autre support pour que ça tienne mieux, pour qu'il y ait un meilleur angle et pour que ça se passe mieux. Et finalement, bah, c'est interdit de le mettre là quand je suis arrivé en free grille. Donc j'ai dû le retirer, du coup, malheureusement. Il n'y a pas de première manche. Il n'y a pas de première manche filmée. C'est dommage parce que j'ai plutôt bien roulé. Bouillard-Artois, je le connais assez bien et c'est un terrain que j'apprécie beaucoup. Et j'ai vraiment, vraiment bien roulé. Et je termine en plus à une 7ème place. Franchement, je m'en doutais. Je suis arrivé en prairie. J'ai vu le regard du commissaire. J'ai fait bon, ça y est, je vais prendre la cartouche. La cartouche, elle est pour moi. Donc j'ai dû la retirer malheureusement. Donc on passe tout de suite à la deuxième manche. Yeah.
avec de grosses douleurs au bras, j'aurais vraiment du mal à tenir le rythme toute la manche. Et malgré ça, j'arrive quand même à me tenir à une bonne deuxième place. Ce qui me qualifie donc quand même pour la finale de cette journée. On est parti. Allez, c'est parti là. Sur l'autoroute du bonheur. Et malheureusement pour moi, la première finale de l'année s'est pas déroulée totalement comme j'avais prévu. Il y a eu un gros accrochage au départ. Je sais pas vraiment trop ce qui s'est passé. Je sais que j'ai des traces de crampons sur le bras. J'ai le guidon qui est parti dans la roue arrière d'Alban, là, le numéro 146 qu'on voit à l'écran. On m'a roulé dessus, je crois. J'ai quelques hématomes. Je m'en sors bien. Franchement, je m'en sors bien. La GoPro elle s'est détachée, j'ai su la récupérer tout de suite entre toutes les motos qui passaient, mais malheureusement j'ai dû abandonner, j'étais vraiment trop sonné, j'ai vraiment eu du mal à repartir, j'ai essayé quand même, j'ai vraiment tenté, mais franchement c'était trop compliqué, mais malheureusement du coup j'abandonne sur cette finale, et bon bah c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais bon en tout cas on se rattrapera, donc comme j'ai dit en début de vidéo, au week-end prochain, donc ça sera au motocross du Val de Sensé, donc à Arles, donc c'est le 10 avril. On se rattrapera là, on ira encore une fois en finale et j'espère du fond du cœur que ça se passera mieux que celle-ci. Et comme prévu, donc comme j'ai dit en début de vidéo, je voulais vous parler de mon sponsor qui m'accompagne durant toute la saison 2022. Donc il s'agit de Imixer. Donc c'est un site où vous trouverez une très grande gamme de vêtements de motocross entièrement personnalisables. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, il n'y a pas que ça, je vous invite à découvrir le site. Je vous invite aussi à aller sur leur page Instagram si vous avez des questions à leur poser. N'hésitez pas à poser des questions sur différents designs, tout ça. Il y a 4 tissus différents pour les tenues que vous choisissez. Donc je vous invite à aller y faire un tour, vous ne serez vraiment pas déçus. Et n'hésitez pas surtout pour toutes vos commandes sur tout le site, vous avez le droit à 10%, donc avec mon code promo MXFamily10. Et vous bénéficierez donc de 10% sur toutes les commandes que vous passerez sur le site. Donc voilà, c'est sur ces images que je vous dis au revoir et on se retrouve donc week-end prochain déjà pour la prochaine épreuve du championnat, donc c'est à Arles, je l'ai déjà dit. Prenez soin de vous, faites attention quand vous roulez les gars. C'est un sport des plus beaux, mais vraiment, franchement, il faut faire attention. Mais bon, je vous apprends rien, donc bonne continuation, prenez soin de vous. Bisous les amis.